Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre différent de d'habitude. En effet, je suis en vacances en Bretagne actuellement et puis j'ai fait quelques achats, notamment chez Action et puis à la fabrique à Scrap. Donc j'ai trouvé sympa de vous les présenter dans un cadre un peu différent que d'habitude dans ce joli jardin de la maison que nous louons. Voilà, donc on est dans le Finistère. Aujourd'hui, il fait un temps particulièrement beau. Ça n'a pas été le cas toute la semaine, malheureusement, mais bon, voilà, on a quand même fait des trucs très sympas. Et puis, donc, avec l'ami qui habite dans la région, on est allé donc à la fabrique à scrap. Et puis, chez Action, donc en tout, en fait, j'en ai fait trois des Actions. J'en ai fait un à Brest, où il n'y avait pas grand-chose, très franchement. J'en ai fait un à Concarneau. Et puis, oui, un à Concarneau et puis un à Lorient. Voilà. Donc le produit de mes achats chez Action, donc c'est le produit de ces trois magasins Action. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai les achats de la fabrique à scrap. Voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix en bas de l'écran. Hein, comme ça, ce sera plus facile pour moi parce que plutôt que de regarder chaque fois le ticket. Voilà. Alors, on commence par Action. Tout d'abord, donc j'ai repris ces petites figurines, ces petites formes en résine. Toujours dans l'idée de mon album photo que je vais réaliser pour ce voyage en Bretagne. Voilà. Sachant qu'ils sont facilement, on peut facilement les coloriser avec des stylos, enfin des feutres à alcool ou avec de la peinture. Voilà, j'en ai repris un second. J'espère que vous aurez pas trop enfin, qu'il n'y aura pas trop de reflets. Hein. Je fais de mon mieux. Hein. Voilà, j'ai repris également deux planches de stickers comme ceci, avec Mickey et puis avec la Reine des Neiges. Pas tant pour moi, mais peut-être plutôt pour faire des petits cadeaux. À des enfants, lorsque j'envoie des enveloppes. Voilà, j'ai pensé aux enfants de mes copines de scrap. J'ai trouvé encore ces couleurs de 3D Pearl Paint que je n'avais pas. Comme j'aime beaucoup coloriser pas mal de choses avec cette peinture 3D, notamment des objets en bois ou en métal, j'aime bien avoir tout plein de couleurs. J'ai pris une boîte de paillettes comme ceci. Je les avais vues souvent, je les avais jamais pris, mais finalement, voilà, pour quand on a une grosse pièce où on veut mettre pas mal de paillettes, c'est pas mal pour saupoudrer. Voilà, donc au vu du prix, et puis il y a quand même des couleurs sympas. Voilà. J'ai trouvé les nouveaux petits sets de sticky notes. Alors, notamment celui-ci, hein, donc avec les flamants roses, et puis un petit peu, non, il n'y a pas de doré sur celui-ci, mais un petit peu vraiment ambiance tropicale avec des flamants roses. Voilà. Ceux-ci, qui ont eux des petits côtés, des petits côtés dorés, notamment dans les étoiles. Et puis le troisième, aussi avec des flamants roses, mais voilà, il est un petit peu différent de l'autre, voilà, dans les couleurs que j'adore. En termes de washi tape, je n'ai rien pris, j'ai juste pris ceci, c'est un petit peu comme du washi, mais avec un petit peu comme de la dentelle, hein, en noir, en orange et puis en blanc. Voilà. J'ai pris juste ce petit set de rubans avec de toutes les couleurs avec les pois. J'ai trouvé les tout grands trombones qui doivent bien faire 10 cm de long, hein, je pense. 3, 4, 5, peut-être moins. Ouais, je sais pas, peut-être hein, peut-être bien 10 cm, je sais pas, hein, par rapport à ma main. Voilà. Donc je les ai pris en couleur un peu cuivrée, rose gold, en argenté et en doré.
J'ai pris donc dans les planches de stickers un petit peu, c'est un petit peu comme de la mousse, hein, ils sont assez, assez épais. J'ai pris cette planche-ci que j'ai trouvé vraiment très jolie avec des papillons et puis des jolis oiseaux. Voilà, je l'ai trouvée vraiment très douce. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris donc deux petits sets de twine comme ceci, hein, donc de la ficelle comme ça colorée. Donc c'est les deux sets qui existaient. Hein. Donc dans les bleus, verts, noirs, et puis dans les roses, orange, marron, jaune et mauve. J'ai pris deux paquets d'enveloppes comme ceci, donc des enveloppes toutes colorées, hein, en rose avec des plumes, et puis en bleu et blanc comme ça avec des chevrons. Voilà, pour emballer des petits cadeaux. J'ai trouvé aussi ces petits sets de sacs en tissu. Donc voilà, ça je trouve aussi assez sympa, notamment ben, quand je fais des petits bijoux, des bijoux de sacs ou de planeurs, je trouve ça sympa de les mettre dedans. Donc j'ai pris avec ce motif comme ça, un petit peu carré. Comme ceci, ça fait très plage, et puis celui-ci avec des petits pois blancs. Ensuite, donc dans les tampons bois, donc je n'ai pris que ceci en fait, donc ceci avec des fleurs qui sont facilement colorisables, donc ça je trouverais très joli sur une carte. Et puis ce set là, donc avec un papillon et puis un attrape-rêve. Pour continuer dans les tampons, donc voilà, j'ai pris quand même pas mal de tampons clear. Alors notamment donc celle-ci avec des fleurs et puis le dye qui va avec. Celui-ci donc avec les oiseaux et puis donc le dye également qui va avec. Très joli ces oiseaux. Celui-ci avec les fraises que j'avais vraiment envie de trouver. Voilà. Et puis, ceci, je ne suis pas sûre de les avoir vus déjà en vidéo. Alors, il y a celui-ci que je trouve vraiment très très chouette. Donc, avec les poissons et puis les algues marines. Je trouve que voilà, la tête des poissons et de l'hippocampe, là, franchement, ils m'ont vraiment éclaté. Voilà. Et puis la dernière, comme ceci, donc avec des oiseaux, voilà, plutôt, bon, il y a aussi un flamant rose, mais plutôt comme ça, avec bord de lac, en fait. Voilà. J'ai repris un petit peu de la dentelle, notamment, donc, comme ceci, en noir, hein, donc, pour le dessin. Voilà, en blanc, donc en grand, en blanc, voilà. Notamment, soit pour coller sur du papier, pour en faire des nœuds ou des choses comme ça, soit aussi peut-être pour faire des couvertures de traveler notebook. Hein. Je vais me lancer un petit peu dans la création des traveler notebook, donc j'aimerais essayer de faire d'en faire un avec une couverture comme ça en dentelle. Et puis j'ai pris deux paquets comme ceci, donc elle est un petit peu plastifiée. Voilà, donc notamment ça dans les albums pour faire des pochettes, enfin pour faire des petites pochettes. C'est assez pratique étant donné que c'est plastifié. Voilà, donc en rose et puis en blanc. J'ai trouvé des lettres en bois comme ceci, assez grandes et assez fines. Il y en a trois, si je vois bien, il y a trois lettres donc à chaque fois, donc trois lettres de chaque. Voilà, elles sont assez grandes, donc ça pour mettre un titre d'album, je trouve ça vraiment très chouette. Et puis dernière chose chez Action, donc des blocs bien sûr. Donc celui-ci que j'avais déjà, que j'ai repris une deuxième fois parce que je le trouve vraiment vraiment très beau. Voilà, ici avec des écritures, des fleurs, des pois,
celui-ci aussi que je trouve vraiment très beau, celui-là vraiment que j'aime beaucoup beaucoup aussi cette page. Voilà, je l'ai déjà montré. Celui-ci que j'ai cherché depuis bien longtemps, que j'ai enfin trouvé. Il en restait qu'un, hein, donc j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, donc avec uniquement des effets bois, un petit peu de toutes les couleurs, enfin dans les tons beige, surtout beige et bleu. Enfin beige, marron et bleu. Et voilà, ça c'est vraiment très utile, notamment pour les albums justement. Je compte en mettre aussi donc dans mon album justement de sur la Bretagne, hein, voilà, donc un petit peu plus rosé ici dans les tons bleus, ici dans les tons plus marron, ici de nouveau en bleu, et puis le dernier comme ceci, voilà. Et puis trois dernières choses, donc trois blocs 30 par 30, notamment donc celui-ci, donc que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos, donc avec des tons gold et argent, donc doré argenté, donc du foil doré argenté. Il existe d'autres de ces blocs avec du foil, donc dans les tons bleus, dans les tons roses, mais voilà, c'est pas franchement, il me plaît pas plus que ça. Donc j'ai uniquement pris celui-ci. Donc il n'y a pas toutes les pages, hein, qui sont avec du foil, donc c'est chaque fois avec en fait une page qui est mate et une page où il y a comme ça du foil. Donc ici on est doré, ici doré, comme ceci, ici donc argenté, ici avec des cœurs argentés. Ici encore argenté, en doré, ici doré, de l'argenté, ici aussi argenté. Hop, j'ai loupé une page. Voilà, des petits cœurs dorés. Cette page-ci avec du doré. Ici argenté, ici les cœurs argentés, et puis les petits cœurs dorés comme ceci. J'ai pris ensuite le Wonderful Sweetness, que j'ai trouvé très chouette, comme ça, voilà. Voilà, surtout pour ces petits gâteaux, glaces, des petits macarons, des glaces. Voilà, donc très fruité celui-ci. Voilà, ici le rein avec des petites tasses à thé, des petites théières, des petits nœuds. Voilà, encore des donuts. Bon, ici un thème Paris, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Voilà, des petites fleurs, des donuts, des glaces. Voilà. Et puis, le dernier bloc, donc en 30-30, c'est le Inspiring Pastel. Voilà, donc de nouveau avec des très belles couleurs pastel. Comme ceci. Un petit peu dans toutes les couleurs. Certaines qui sont moins pastel, mais voilà. J'aime beaucoup ces couleurs, ces tons. Voilà, je vous montre un peu rapidement, je pense que vous les avez sûrement déjà vus là avec des petits nuages, vous les avez sûrement déjà vus pas mal de fois en vidéo, cette page-ci qui est aussi très jolie. Voilà, des petites fleurs. Voici, donc le Inspiring Pastel. Voilà, donc c'en est tout pour Action. Je vous montre juste rapidement trois petites choses que j'ai trouvées chez Truffaut. Donc je suis allée avec mon ami chez Truffaut, notamment pour trouver une chose, c'est-à-dire un washi tape que j'avais vu en vidéo, qui est celui-ci. Voilà, donc un washi tape spécial Bretagne. Voilà, donc j'en ai pris un, hein, bien sûr en souvenir, et puis j'étais ravie que mon ami bretonne puisse en trouver un. Hein. Voilà, il est vraiment, vraiment très très chouette.
Et puis du coup, j'ai retrouvé aussi donc cette ficelle, donc ce twine comme ceci, mais je les ai repris parce qu'ils sont beaucoup plus épais, donc dans les tons rouge et rose et dans les tons bleus. Et puis j'ai juste trouvé donc cette petite planche de stickers que j'ai trouvé vraiment très belle avec des oiseaux, des notes de musique. Voilà, des petits accents argentés. Voilà, donc ça c'était juste donc chez Truffaut, en passant chez Truffaut. Et puis maintenant, eh bien, on passe à la fabrique à scrap. Alors, pour ceux qui sont déjà allés à la fabrique à scrap ou qui ont déjà visité leur site internet, hein, donc ils ont une boutique qui se trouve à Lorient et un site internet qui est très fourni, mais leur boutique, elle n'est pas très grande. Hein, je vous ai donc, vous avez dû voir quelques petites images juste avant ce haul. Elle est très bien fournie, donc inutile de vous dire que j'ai fait exploser la carte bleue. Je vous mettrai également les prix en bas de l'écran. Voilà. Alors, première chose, j'ai pris du gesso en blanc parce que je me suis découvert une nouvelle passion pour le mix and media. Donc, je ne pensais pas au départ parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas tellement eu envie d'en faire. Et puis j'ai commencé à faire quelques petites cartes avec cette technique. Et puis ma foi, ça me plaît quand même pas mal. Donc au départ j'en avais fait moi-même. Et puis pour éviter d'utiliser une tonne de colle et puis de peinture blanche pour en faire moi-même, j'ai pris donc, un pot de gesso en blanc. Il y avait tout un panier d'objets qui étaient soldés. Donc notamment ce petit tampon de chez Casey Art. Donc avec des petits messages homemade, fais de toi-même, fais maison, créé de mes doigts, mes petits bricolages, do it yourself, 100% fait main, etc. etc. Voilà, donc à 2,99 au lieu de 5,90. Ensuite, j'ai pris ces découpes, toujours dans l'optique des albums photos, donc des formes de découpes, donc avec les mots destination, paradis, et voyage. Voilà, donc par rapport à la taille de ma main, vous voyez, ils sont quand même assez grands. J'ai craqué pour deux blocs de stickers de la marque Mambi, Me and My Big Ideas. Voilà, donc tout d'abord, donc celui-ci, je vous montre un petit peu vite fait. Voilà. Donc avec des très grands stickers, mais je les trouve vraiment très beaux. Voilà, toujours assez coloré. Celui-ci notamment, avec des petits cocktails comme ceci. Voilà. Donc celui-ci, c'est le Memory Planning, donc 472 pièces, pardon. Voilà. Et puis le second, donc 1050 pièces. Voilà, il n'y a pas de titre particulier, mais quand vous verrez les couleurs, vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai craqué. Hein, donc, notamment, donc, bon, celles-ci qui sont assez colorées. Là, avec des thèmes colorés, ici, dans les tons, voilà, donc dans les tons doré gold, et puis ici, oups, alors ici, dans les tons un peu rouge doré, ceci, voilà. Ici, donc dans ces tons-là, les tons bleu, rouge, comme ça. Ici encore, donc dans des tons gold et noir. Ici, dans des tons bleu, rosé. Là, dans des tons plutôt un peu mint, comme ceci. Ici, donc en couleur mint et doré, je le trouve splendide. Ici,
avec un peu plus de rouge. Celle-ci aussi qui est splendide, donc avec du doré et puis du rose, un peu comme ça, couleur corail. Et puis ici, donc de nouveau dans les mint, ici mint et doré. Voilà, donc celui-ci, donc avec 1050 pièces. Ensuite, donc des tampons clear que j'ai vu plusieurs fois dans des créations que j'ai enfin trouvé, donc avec une petite licorne, avec des petits, donc bon, un petit château, avec des petits dragons. Et voilà, je la trouve absolument adorable. Donc ça, je me réjouis vraiment de faire des cartes avec ces tampons. Ceci qui était aussi donc dans les articles soldés, donc à 4,55 au lieu de 6,50. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est de la marque Prima, donc Planner Accessories. Donc c'est déjà, comme vous le voyez, fait pour aller dans un planner A5. Avec, donc il y a des stickers, il y a des cartes Project Life, il y a là un paperclip, enfin plusieurs petites choses, voilà. Un set comme ceci, Planner Goodies, avec des petits accents rose gold. Ensuite, ici, des cartes Project Life. Voilà, je vous montre donc l'arrière, hein, ce qu'on peut y trouver. Voilà, donc c'est toujours très estival et très tropical, hein, donc avec des flamants roses, des ananas, voilà, des palmiers, etc., etc. Voilà, à 5,50 €. Il y a 24 cartes double, donc double face. Hein. J'ai trouvé ensuite ce bloc de cartes, ils appellent ça carte de notes, la marque Prima Marketing aussi, à 5,50 €. Je les ai trouvées absolument splendides. Je vous montre un petit peu comme ceci. Voilà. Donc c'est tout dans les tons rose, pâle et noir. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. Je les trouve vraiment magnifiques. Ça, peut-être même pour faire... on utilisait quelques-unes pour faire un mini-album, pourquoi pas. Voilà, celle-ci que je trouve absolument splendide. Voilà, donc pour 5,50 € et il y a 45 cartes. Voilà, dans la même collection, hein, donc j'ai pris aussi le bloc de 30 pages, donc toujours de Prima Marketing. Voilà, donc c'est dans le même esprit. Alors celui-ci, il faut juste que je l'ouvre. Voilà, donc dans le même esprit un petit peu. Donc avec, donc toujours dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons, hein, que ceux d'avant. Regardez-moi ça avec des plumes magnifiques. Ici avec des fleurs, donc il y a 4 pages de chaque, hein. Ici toujours des fleurs, ici comme ceci, et puis comme ceci, voilà, donc toujours en recto verso, voilà. Ça, c'est un bloc donc 15 par 15. Hein. Dans la même collection, j'ai aussi craqué pour les pages, les grandes pages 30-30. Alors, j'en ai pris que deux modèles. Donc, j'ai pris deux pages de chaque, mais j'ai pris que deux modèles. Donc, il faut savoir que c'est aussi avec des accents donc rose gold. Hein. C'est absolument, elles sont magnifiques ces pages. Voilà, donc avec des roses comme ceci, et puis à l'arrière comme ceci. Puis avec donc les plumes, toujours avec ces accents rose gold, et à l'arrière comme ceci. J'ai trouvé des petits paperclips, enfin petits, ils sont assez grands, hein, des paperclips comme ceci, enfin c'est pas des paperclips, c'est des marque-pages. Donc ils sont simplement cartonnés avec un magnète à ce niveau-là. Il en manque un parce que j'en ai fait cadeau d'un à mon ami de Bretagne. Voilà, donc normalement il y a
6 pièces, donc recto verso de la même identique. Hein. Mon ami m'a offert, donc sans savoir que j'avais choisi les deux autres pièces de cette collection, donc m'a offert en fait les stickers donc un petit peu 3D de cette même collection. Voilà, donc il y a donc 52 pièces. Ensuite, dans les blocs 30-30, j'ai craqué pour celui-ci, donc de la marque Webster Page. C'est la collection Love Story. Donc 19 papiers, et il y a aussi donc la dernière page, en fait, ce sont des stickers. Je vous montre ça. Voilà, donc ici, vous avez la page de stickers, ici avec des lettres. Et puis voilà donc pour les pages. Donc il y a trois pages de chaque apparemment. Trois pages de chaque. Voilà. Une comme ceci. Donc elles sont aussi recto verso. Hein. Voilà. Avec des signes. Celle-ci. Et puis la dernière. Comme ceci, avec des roses. Voilà, donc trois pages de chaque. Et puis, j'ai finalement craqué pour ce bloc-ci, donc de la collection Mambi, donc dans les accents rose gold, hein, noir et rose gold, enfin rose et rose gold, qui est absolument magnifique. Je vais l'ouvrir également. Voilà. Dans ces tons rose gold, absolument magnifique. Ici avec des écritures, ici avec des tons comme ça, comme du marbre, celle-ci, ici tout en rose gold, magnifique, cette page-ci, celle-ci, voilà, avec des petits pois rose gold. Voilà, je loupe un peu des pages. Hein, mais ici, donc, noir et rose gold. Ici, en rose pâle. En noir et blanc. Et puis, celle-ci, magnifique. Donc, un cœur tout en rose gold. Et puis ici, donc, dans les tons, voilà, comme du marbre. Et puis, la dernière, comme ceci. Voilà. Absolument splendide. Ensuite, donc des petits washi donc de la marque Little Bay. Voilà, donc il y en a deux qui sont très très fins, donc en couleur mint et argenté. Voilà. Et puis celui-ci que je vais vous ouvrir avec des montgolfières. Voilà, il est superbe hein, dans les tons. Aussi donc doré, mint et rose. Voilà, avec des accents dorés. Absolument magnifique. Dernier article, j'ai craqué pour un nouveau Happy Planner. Alors c'est l'édition étudiant, mais bon, moi ça ne me dérange pas. Il va de août 2017 à décembre 2018. Voilà, donc dans les tons très colorés. Je ne vais peut-être pas montrer tout en détail. D'ailleurs, ça n'est pas le dernier article. Hein. Le dernier article, je vous le montre juste après. Donc, la couverture se présente comme ceci. Voilà. Donc, toujours dans ces tons que j'affectionne. Voilà. Octobre. Décembre. Dites-moi peut-être dans les commentaires si vous souhaitez une revue détaillée de ce Happy Planner, donc spécial étudiant, qui est un petit peu plus fin que les autres, donc qui est sur 18 mois. Voilà, encore une page comme ceci. Donc je vous montre peut-être
ici donc un mois sur deux pages. Et puis donc à la fin toujours les dates importantes. Et puis voilà, ça c'est le mois de juillet de l'année prochaine. Voilà. Dites-moi si vous souhaitez une revue détaillée sur ce Happy Planner, je me ferai un plaisir de vous la faire. Et puis dernier article, surtout pour lequel je suis allée, c'est la Crocodile 2. Donc, voilà. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est pour poser des œillets. C'est très pratique, hein, donc vraiment. Et puis donc j'avais la Crocodile numéro 1, mais pour faire certains objets, bah, notamment les Traveler Notebook, pour mettre des œillets au milieu du Traveler Notebook, et bien avec le premier, je ne pouvais pas le faire. Donc voilà. J'ai pu acquérir la Crocodile numéro 2 et j'en suis ravie. Voilà, et bien écoutez, c'en est fini de mes achats. Comme vous voyez, ils sont assez conséquents. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique de la Fabrique à Scrap. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vraiment, ils ont un choix absolument énorme. Hein. Et puis, voilà, ben, laissez-moi vos petits commentaires comme d'habitude. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous retrouve très vite donc dans mon cadre habituel hein, nous rentrons demain donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai tout un tas d'idées de vidéos pour cette rentrée donc j'en ferai peut-être un petit peu plus régulièrement parce que c'est vrai que ces derniers temps eh bien, j'en ai fait un petit peu moins. J'étais peut-être un peu moins motivée ou fatiguée, je ne sais pas. En tout cas j'ai plein d'idées de nouvelles vidéos à vous proposer, j'espère que ça vous plaira. En attendant, eh bien, pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien. Pour ceux qui ont repris le travail, bon courage. Je vous embrasse et puis je vous souhaite encore un bel été. Ciao !